Okay. So for that, we're going to open our Bibles in the book of Revelation. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Apocalypse. Revelation chapter 5. Apocalypse chapitre 5. We are reading. Comme nous sommes en train de lire. And I saw in the right hand of him that sat on the throne a book written within and on the backside sealed with seven seals. And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, who is worthy to open the book and to loose the seal thereof? And no man in heaven, nor in earth, neither under the earth, was able to open the book, neither to look thereof. And I wept much, because no one was found worthy to open and to read the book, neither to look thereof. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel ni sur la terre ni sous la terre n'ai pu ouvrir le livre ni le regarder. Et j'ai pleuré beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. And one of the elders said unto me, weep not, behold the lion of the tribe of Judah, the root of David, had prevailed to open the book and to loose the seals thereof. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. And beheld, and lo, in the midst of the throne and of the four beasts, and in the midst of the elders, stood the lamb as it has been slain, having seven horns and seven eyes, which are the seven spirits of God sent forth into all the earth. And he came and took the book out of the right hand of him that sat upon the throne. And when he had taken the book, the four beasts and the 24 elders fell before him, having every one of them harps and golden veil full of odors, and which are the prayers of the saints. And they sang new songs, saying, thou art worthy to take the book and to open the seals thereof, for thou hast slain and hast redeemed us to God by the blood out of every kindred and tongue and people and nation, and has made us unto our kings, unto God kings and priests, and we shall reign on earth. Amen. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il lui prit le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Thank you. Father God, bless this moment, speak to your people, in Jesus' name, amen. Amen. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. So today I'm going to speak of... Aujourd'hui je vais parler de... The mediator work has been finished. L'œuvre de la médiation a pris fin. L'œuvre de la médiation a pris fin. This is one of the. It's a subject where a lot of people
struggle to understand. Ça, c'est vraiment un sujet là où beaucoup de gens ont des difficultés à comprendre. We have to know that the work of a mediator has an expiring date. Nous devons savoir que le travail d'un médiateur avait un temps bien déterminé. It has an expiring date. Un temps bien déterminé. That he has to finish. It has to end. Parce que ça devait finir. Rabbanam said everything that has a beginning. Le fait Rabbanam dit que tout ce qui a un commencement has an end. A aussi une fin. Because the mediator work had a beginning. Parce que le travail du médiateur avait un commencement. Amen. And it has to end somewhere. Et ça doit finir quelque part. And that's why a lot of people have trouble. They don't know when it ends. Voilà pourquoi les gens ont des problèmes parce qu'ils ne savent pas quand est-ce que ça va finir. Amen. Amen. In Eden, Adam didn't have a mediator. En Eden, Adam n'avait pas de médiateur. Oui. When God created, there were no mediator. Quand Dieu l'avait créé, il n'y avait pas de médiateur. Adam had a contact with God straight. Adam avait un contact direct avec Dieu. There were no one between Adam. Il n'y avait personne entre Adam et Dieu. Amen. Amen. But when Adam sinned, et quand Adam avait péché, that's where sins required a mediator. Et c'est là où quand le péché est venu, maintenant on avait besoin de médiateur. Amen. Amen. That's where the mediator work started. C'est là que le travail du médiateur devait commencer. First, when Adam sinned. Premièrement, quand Adam avait péché, God killed an animal. Dieu avait tué un animal. To cover Adam. Pour couvrir Adam. And the first time blood was poured. La première fois que le sang a été versé. It was God who killed an animal. C'était Dieu qui avait tué un animal. Amen. From Amen. There, that was just a representation. Par là, c'était seulement une représentation. That there will be a true Lamb of God. Qui aura un agneau. Un véritable agneau de Dieu. That will come and die. Qui viendra en fait de mourir pour nous. Amen. Amen. We're going to read there in the message there. The law having a shadow. Nous allons lire dans le message la loi qui a une ombre. Brabham said. C'est frère Brabham dit au paragraphe 26. 26, yeah, thank you. He said, oh man. Il a dit, oh. Our own goodness. Can you see? Yeah, I can see. Our own goodness, all on works, no grace. You see, all our goodness, what man can do. If a man lives good enough, he will be God himself. Si l'homme vit bien, il sera Dieu lui-même. If he could live good enough, s'il peut bien vivre, I said, look, j'ai dit, regardez, life lays in the blood cell. La vie est dans la cellule sanguine. And without shedding of blood, there is no remission of sin. Sans l'effusion du sang, il n'y a aucun pardon de péché. Listen, innocent substitute had to take a guilty sinner's place. Un substitut innocent devait prendre la place du pécheur. A guilty, an innocence. Un innocent had to take a place of a sinner. Devait prendre la place du pécheur. That's the mediator. Ça c'est ça le médiateur. We will find out. Et without shedding of blood, sans l'effusion du sang, there's no remission of sin. Il n'y a pas rémission de péché. Innocent substitute had to take guilty sinner place. Et l'innocent devait prendre la place du pécheur coupable. Oh, I want you to get this now. Oh, je veux que vous puissiez le voir maintenant. Notice. Remarquez. An innocent substitute. Un substitut innocent. Must take the guilt. One's place. Il devait prendre la place du coupable. And it happened in Eden. Et cela a eu lieu en Eden. That same way. Dans le même pareillement. That when Adam sinned. Pareillement quand Adam avait péché. And cut off his fellowship. Il a interrompu sa communion avec Dieu. And when he had sinned. Et quand il avait péché. Before he could stand before God. Avant il pouvait se tenir devant Dieu. Before he could stand, avant qu'il se tienne devant Dieu. Avant qu'il puisse se tenir devant Dieu. God had to kill one sheep. Dieu devait tuer un agneau. Before he could stand after sinning. Avant qu'il puisse se tenir devant Dieu. After sinning, après avoir péché, he couldn't come before God. Il ne pouvait plus venir devant Dieu. A blood had to be shed. Le sang devait être versé. Now, in his relationship with God, the Father was corrupt. Cette relation avec Dieu était interrompue. So he has to, the blood, the sheep has to be killed to bring back that relationship. L'agneau devait être tué pour ramener encore une fois de plus cette relation. And Brother said, perhaps
Et le femme dit peut-être. Whatever it was. Quoi que ce soit. And makes a covering. C'était simplement une couverture. Blood had to be offered in substance. Et le sang devait être offert. Because the blood were lifeless and God required life at sin. Parce que dans le sang, c'est là que se trouve la vie et Dieu demande la vie. Amen. Amen. So the first time, premièrement, when Adam sinned, quand Adam avait péché, the relationship with God was interrupted. La communion avec Dieu était interrompue. And God didn't like it. God didn't like it. Et Dieu n'avait pas aimé ça. Okay. So he killed an animal. Let me bring it down for the kids as well. Et Dieu a tué un animal. Je vais descendre un peu pour les enfants. So God took an animal. He killed an animal. Dieu a pris un animal and et il l'a tué. An innocent animal. Et un animal innocent. At a place of instead of killing Adam. À l'endroit de tuer Adam. He killed an animal. Il a tué un animal. And that animal. Et cet animal. Was acting as a mediator. Et cet animal-là était en train de jouer le rôle de médiateur. And for God to get in contact with Adam. Pour mettre encore Dieu une fois de plus en contact avec. And Bible says blood needs for our sins. Blood are needed for our sins. Nous avons besoin du sang pour notre péché. Without blood, our sin cannot be forgiven. Sans le sang, nos péchés ne peuvent pas être pardonnés. No matter what we do, quel que soit ce que nous faisons, without blood, sans le sang, our sins, nos péchés, cannot be forgiven. Ils ne seront jamais pardonnés. Now, Brother Branham said this in his message, greater than Solomon is here. Le frère Branham dit ceci dans le message appelé plus grand que Salomon. With his own blood, avec son propre sang, as a high priest, comme étant le souverain sacrificateur. He sat there. Il est assis là. Over it. Il est assis là. How much more ought we to look to the holy place of God? Combien nous pouvons regarder dans ce lieu saint de Dieu? Where Jesus himself, là où Jésus lui-même, our mediator, notre médiateur, the only one between God and man, le seul entre Dieu et l'homme, stands with his own blood, qui se tient là avec son propre sang, to make intercessions. Afin de faire l'intercession on our confession. Pour notre confession. Amen. Amen. So here, ici, we can see nous pouvons voir Jesus, que Jésus, he is the mediator, il est le mediator, man and God. Il est le mediator entre l'homme et he Dieu. He is the one making wars. Let me put it in past tense because it's already past. He is the one who used to be a mediator. C'est lui qui était le mediator parce que c'est déjà passé. Amen. So today I'm going to show you. Aujourd'hui, je vais vous montrer that work of mediator, que ce travail du médiateur finished, a déjà pris fin. Amen. When Jesus killed an animal, Dieu avait tué un animal, and he started like that all the way the Old Testament. Il a commencé comme ça dans tout l'Ancien Testament. Every time someone did a mistake, et à chaque fois que quelqu'un commettait une erreur, they will bring an lamb or an animal. On va prendre un animal. They will kill it. On va couper la gorge. To forgive for your sin, for the person's sin. Pour le pardon de la personne qui a péché. Amen. Amen. That was just a type. Et c'était simplement un type. Okay. For the new one that will come. Pour celui qui devait venir après. But when Jesus came. Mais quand Jésus est venu. Even before Jesus came. Même avant que Jésus puisse venir. God sent Elijah the prophet. Dieu a envoyé Élie le prophète. Amen. Which we know it was John. Nous savons tous que c'était Jean. Every time there's a spirit of Elijah, à chaque fois qu'il y a l'esprit d'Élie, Elijah brings something new. Élie amène toujours quelque chose de nouveau. He comes to restore things. Il vient pour restaurer les choses. Because people, the way people were doing things, parce que la façon dont les gens faisaient les choses, it was wrong. C'était faux. Elijah the Tishbite. Élie le Tishbite. With those 400 prophets, avec ces 400 prophètes, people was worshiping those false gods. Les gens étaient en train d'adorer ces faux dieux. But when Elijah came, mais quand il est venu, Elijah stood against that. Élie s'est tenu contre ça. And he showed them the true way. Et il les a montré la vraie manière d'adorer. He had to put an end to those 400. Il devait mettre une fin à cette fausse adoration. Amen. Amen. And Elijah came again in the time of Jesus with John the Baptist. Élie est venu encore au temps de Jésus qui était celui qui était Jean-Baptiste. Amen. Amen. He came to put an end. Élie est venu mettre fin to the way they were
killing the animals. De la manière dont ils étaient en train de tuer les animaux. To show them their mediator is no more the animal. Pour leur montrer que le médiateur ce n'est plus l'animal. And when Jesus came to get baptized, et quand Jésus est venu se faire baptiser, il a dit, regardez, the Lamb of God, l'agneau de Dieu. Now he was pointing Elijah, the spirit of Elijah was pointing them to another mediator. Et remarquez que l'esprit d'Élie était en train de leur montrer un autre médiateur. But unfortunately, those people up until now they still using animals. Malheureusement que ces gens-là jusqu'aujourd'hui ils utilisent toujours les animaux. Why it's already finished? Parce que c'est déjà fini. Today if I go there and tell them, give me the animal they are killing. Oh, aujourd'hui si je vais là-bas pour leur dire, donnez-moi les animaux que vous êtes en train de tuer. The lamb, I'm gonna eat that. Donnez-moi ce que vous mangez ça. I will make a barbecue. Je vais faire le same barbecue. They will kill you. Bon. Ils vont te tuer. Amen. Amen. Because they are so used to it. Parce qu'ils sont tellement habitués à ça. You can never tell the Jews that animal. Tu ne sais what you're doing is wrong. Tu ne peux pas dire aux Juifs que l'animal qu'ils sont en train de tuer est mauvais. That the new lamb is the Lord Jesus Christ. Le nouveau agneau c'est le Seigneur Jésus Christ. Their business will be finished. Parce que leur business va finir. Imagine you got a farm. Parce que imaginez que tu as toute une ferme. Those lands. Et avec tous ces people, those criminals out there. Tous ces criminels. After doing their wrong things. Après avoir commis les erreurs. They will come and buy. Et ils vont venir acheter les agneaux. That's why the most crooked people are the Jews. Et voilà pourquoi parmi les escrocs il y a les Juifs. It's easier for them. It's easier for them to go and croak and still do whatever they want to do. C'est facile d'eux d'aller escroquer au lieu d'aller acheter. And they will go and buy a lamb and kill for their sins. Ah, c'est facile pour eux d'escroquer parce qu'ils savent qu'à la fin ils vont acheter un agneau, ils vont trancher la gorge. Amen. Amen. So just to show you. C'est juste pour vous montrer that Elijah. Que Élie. Every time you see the spirit of Elijah. À chaque fois que vous voyez l'esprit d'Élie. Is to put an end of the way people worship. C'est juste pour mettre une fin de la manière dont les gens étaient en train d'adorer. Amen. Amen. Okay. Amen. And today, aujourd'hui, we have received another Elijah. Nous avons reçu Élie le prophète. What is he here for? Parce pourquoi est-il là? He came to restore. Il est venu pour restaurer. To show us the right way. Et pour nous montrer la meilleure manière ou la vraie façon. Of worship. La meilleure façon d'adorer. To show us the lamb that we are worshiping. Pour nous montrer que l'agneau que nous étions en train d'adorer. Is finished. C'est fini. That story is done. Cette théorie est déjà finie. Amen. Brabham, one day he was just bring back. Let's go back a little bit to the mediator of Jesus, because a lot of people want to. Revenons d'abord au médiateur. Brabham was speaking of one day of he was somewhere and a woman was misbehaving. Et frère Brabham dit qu'un jour il était quelque part là où une femme s'est comportée très mal. And Brabham was not happy with that. Et le frère Brabham n'était pas content. And he was criticizing the woman. Et il était en train de critiquer la femme. And God caught him in the spirit. Et Dieu l'avait pris en esprit. And he showed him when he was young. Et il lui a montré sa vie quand il était jeune. And every sin that Brabham was doing. Et chaque péché commetté par le frère Brabham. Brabham said every time he was sinning. Le frère Brabham dit qu'à chaque fois qu'il était en train de pécher. The God was about to strike. Dieu était prêt de frapper. But he said, I saw a man with thorns on his head. Et il dit que j'ai vu un homme avec une couronne de pines. In the message of perfection. Dans le message de la perfection. Preaching 57. That's where he's explaining it. Prêché en 1957. C'est là où il est en train de l'expliquer. And he said he saw that man was standing between him and God. Il a dit qu'il a vu cet homme-là qui se tenait entre lui et Dieu. And Brabham said, every time that we make sin, Frère Brabham dit, à chaque fois que nous péchons, God is about to strike. Dieu est prêt à frapper. But what stopped God?
Et qu'est-ce qui empêche Dieu de nous frapper? It's the mediator. C'est le médiateur. It's Jesus Christ. C'est le Seigneur Jésus Christ. His blood is still like a bumper of a car. Fabien dit que son sang est comme un pare-choc. He's the one taking the blame. C'est la chose qui prend tous les coups. And that's why God is forgiving, because voilà God was looking at the blood. Et Fabien regardait au travers du sang. Regardait le sang. Amen. Amen. So John cried. Jean a pleuré. There was no one. There was no one at and there was no one worthy to take the book of redemption. Jean a pleuré parce qu'il y avait personne pour prendre le livre. Jesus came, he died at the cross. Jésus est venu, il a pleuré et il est mort à la croix. To redeem us. Pour nous racheter. But when John was caught up. Mais quand Jean a été ravi. But John cried. Et Jean a encore pleuré. So that means when Jesus died at the cross, was it not enough? Ceci veut dire que quand Jésus était mort sur la croix, ce n'était pas suffisant. God and then Adam lost something very special. Adam avait perdu quelque chose de très important. The reason why Jesus came to die was to bring us back to where Adam was. La raison de la mort de Jésus c'était pour nous ramener là où Adam était avant sa chute. So yeah, thank you. Before his fall. So now Adam, maintenant Adam, has to be restored. Il doit être restauré. When he sinned, quand il avait péché, God took away the book. Dieu avait pris le livre. The title deed. Le titre de propriété. And that's what Adam lost. C'est ce que Adam avait perdu. And the reason why God had a plan of redemption. La raison pour laquelle Dieu avait un plan de rédemption. Is to give back that title deed. C'était to Adam. C'était pour ramener ce titre de propriété à Adam. So John. So that there was no one worthy to take that book. Et Jean avait vu qu'il y avait personne qui était digne de prendre le livre. And John cried. Et Jean a pleuré. Because there's nobody. Parce qu'il y a personne. But we cannot go back to the way we were without the book. Parce qu'il n'y a pas moyen de retourner dans notre position sans ce livre. Mm. Amen. 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 In the message, the bridge. Dans le message, la brèche. 50, paragraph 50. He says, and this seven seal book. Et ce livre scellé. Ce livre de sorte. Remember. Remember. Rappelez-vous. It was closed. C'était fermé. In Revelation, the fifth chapter. Et dans Apocalypse chapitre 5. And in Revelation, the tenth chapter is open. Et dans Apocalypse chapitre 10. C'est ouvert. Amen. This book of seven seals. C'est livre de sept sceaux. And now we are going to see what the book says about how it became open. Et nous allons voir ce que le livre dit quand c'était ouvert. And it is not made known until the Lamb takes the book. Cela ne sera jamais connu jusqu'à ce que l'agneau prend le livre. Who is the Lamb? Qui est l'agneau? It's Jesus Christ. C'est Jésus. Jesus Christ until he takes the book. Jésus Christ jusqu'à ce qu'il va prendre le livre. The book will not be known. Et sans ça, le livre ne sera jamais connu. No one will know what's in the book. Personne ne saura ce qu'il y a dans le livre. And today, et aujourd'hui, people knows. Aujourd'hui, les gens savent. And how did you get to know the book? Et comment est-ce que vous le savez? Because the Lamb had to take the book. Parce que l'agneau devait prendre le livre. And the Lamb was there. Acting as a mediator. Et l'agneau était là, faisant le travail du médiateur. Amen. Amen. For him to leave the work of a mediator, pour qu'il puisse quitter l'œuvre du médiateur, he had to leave there and take the book. Il devait d'abord quitter l'œuvre du médiateur pour aller récupérer le livre. There's a brother who tells me. Il y avait un frère qui m'avait dit. Who was telling me there are steps of things that had to happen. Il y avait un frère qui me disait que c'est toute une étape des événements. I say fine, that's good. J'ai dit ok, merci, c'est bien. We cannot jump a step without knowing how. We cannot say we have a book. Et nous ne pouvons pas dire que nous avons le livre. By jumping a certain step. Sautant les autres étapes. Because the first step. Parce que la première étape. The Lamb was has supposed to leave. Parce que la première étape, l'agneau devait d'abord quitter son trône de médiation. And then go and take the book. Et aller récupérer le livre. No, the book, God will never give anybody the book. Dieu ne donnera jamais le livre à qui que ce soit. Because there was nobody who was born.
body. Parce qu'il y avait personne qui était dit. John cried. Et parce que j'ai déjà appelé. The Bible said he took in the right hand of him who sat on the throne. Et la Bible dit qu'il avait pris le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. The only person who was able to go and take the book was the lamb. La seule personne qui était capable de récupérer le livre, c'était l'agneau. So he had to leave his throne. Il devait quitter l'agneau, ça c'est la première étape. And take the book. Et prendre le livre. And then what's the next step? Et c'est quoi la prochaine étape? He was supposed to come with the book. Il devait récupérer le livre et la ramener ici sur la terre. I'm so surprised that people got the book. Et je suis très surpris de voir les gens avec les livres. But they still say the lamb is et ils disent que l'agneau est encore sur le trône. So in my understanding, ma façon de comprendre, if I try to understand the way they're saying it, si je dois I'm trying to understand the way there. J'essaie de comprendre la façon dont eux ils comprennent ça. That means they took, probably that lamb took the book. Bon, peut-être que cet agneau avait pris le livre. Maybe I'll read it. Start reading. I took the book. Well, yeah, the lamb took the book. They were supposed to give it to the seventh angel. Remember? Il devait donner ça au septième ange. Rappelez-vous. And then what he did? He just threw it. Like et après il a se marché de ça. And the seventh angel was there. Et le septième ange était là. Et il a pris ça. And then Jesus went back to sit on the throne. Et Jésus est retourné dans son trône. And he jumped the step. Et maintenant là, il a sauté les étapes. I cannot understand. Je ne peux pas comprendre. Ça c'est la France. Mais for me to give the book to brother. Pour que je puisse donner le livre au frère presse qui est assis là. And if that's how it is written, that's how I have to do. Si c'est comme ça que je dois le faire, I have to leave the pulpit. Je dois d'abord quitter la chair. And then go and give it. Et avant d'avoir lui donner ça. And there's no one in the pulpit. Parce que de là, il n'y a personne sur du haut de la chaise. So how can you say you have the book? Comment pouvez-vous dire que vous avez le frère presse à le livre? Without me leaving this place. Sans que moi je puisse quitter la chair. Très bien. Tout me sens. And now we are going to see what the book says about, and the book is, it says, and the yellow part there, it says, and it is not made known until the Lamb takes the book and break the seal and open it. Cela ne parti en Jean, et cela ne sera pas connu jusqu'à ce que l'agneau prend les livres pour briser les sceaux. It's the Lamb who has to take. C'est l'agneau qui doit prendre les livres et briser les sceaux. He said, it's him. C'est caché, it's him. C'est caché. Now remember, et rappelez-vous, no man in heaven, no man in earth, personne sur la terre, personne au ciel, Pope, Bishop, Cardinal, le Pape, un Bishop, un Cardinal, or whoever he is, qui que ce soit, can break the seal, peut briser le seau, or reveal the book, ou bien révéler le livre, by the Lamb, mais l'agneau. And we have probed and presumed and stumbled. Nous avons présumé, nous avons raisonné, réfléchi. Bien réfléchi. And that's the reason we are in such confusion. Voilà pourquoi nous sommes dans une grande confusion. Those are those people there. C'est ces gens. See how they are so in confusion. Regardez comment ils sont dans la confusion. Because, but with divine promise. Mais avec la promesse divine. That this book of redemption. Que ce livre de la rédemption will be perfectly opened by the Lamb. Sera parfaitement ouvert par l'agneau. Who's the Lamb? Qui est l'agneau? We have to replace the X by its value. Nous devons remplacer X par sa valeur. Who's the Lamb? Qui est l'agneau? That's Jesus. C'est Jésus. And the seals thereof will be loosed by the Lamb. Et les seaux seront brisés par l'agneau. In the last days. Au dernier jour, in which we are living now, dans les jours que nous sommes en train de vivre maintenant, amen. And is not made known until the Lamb takes the book and breaks the seals. Ça ne sera jamais connu jusqu'à ce que l'agneau prenne le livre et qu'il brise les sceaux. Because remember, the book has been held parce in the hand of him that sits on the throne. Parce que le livre était détenu par celui qui était assis sur le trône. And the Lamb comes to him. Et l'agneau vient vers lui. That sat upon the throne. Vers celui qui était assis sur le trône. Takes the book out of his hand. Et il prend le livre d'entre ses mains. Takes the book. Et il prend le livre. Oh, that's deep. Oh, c'est profond. We try to solve it out if we can. Nous allons essayer de résoudre ça si nous pouvons. Now,
Maintenant, we are depending on him. Nous sommes en train de dépendre. We will see later in this end time. Nous allons voir dans ce temps après dans ce temps de when time has run out. Quand le temps est fini. No denomination has the right for interpretation of the book. Il y a aucune dénomination qui a le droit d'interpréter le livre. No man has the right to interpret it. Personne n'a le droit de l'interpréter. It is the Lamb who interprets it. C'est seulement l'agneau qui l'interprète. And the Lamb is the one who speaks it. L'agneau c'est le seul qui parle. And the Lamb makes the word to be known. Et l'agneau rend la parole, fait connaître la parole. The real part, eh? Appartient à Jean. This book, ce livre, is not revealed. Ce n'est pas révélé. Until the church ages. Jusqu'à ce que les sept âges. And denomination ages. Et l'âge de dénomination has run out. Sont amen. Finis. Okay. For this book, ce livre, to be revealed. Mais pour que cela soit révélé. For those who are following us. Pour les gens qui sont en train de suivre. This book, ce livre, cannot be revealed. Ça ne peut pas être in the church ages. Dans les âges de l'Église. Amen. Impossible. C'est impossible. Otherwise, you make Brother Branham a liar. Sinon, vous faites de Frère Branham un menteur. So if we have this book, si nous avons ce livre, that's a guarantee. C'est une garantie. That we are not in the church age. Que nous ne sommes pas dans les âges de l'Église. Yes, sir. God bless you. We are not. Nous ne sommes pas. We cannot receive this in the church age. Nous ne pouvons pas recevoir ce livre dans les âges de l'Église. But Branham says. Et le Frère Branham a dit. Revelation chapter 1 to 3. L'Apocalypse chapitre 1 jusqu'à 3. Is the church age. C'est les sept âges de l'Église. And chapter 4. Et le chapitre 4. The church is gone. L'église est partie dans l'enlèvement. Amen. Chapter 5, that's why the church sold the book. C'est, au chapitre 5, c'est là que l'église avait vu. And he sold the throne. Et l'église, l'épouse a vu le trône. And in chapter 10, et au chapitre 10, the book comes. Le livre descend. But Branham says, et le frère Branham from chapter 4, from chapter 5 to chapter 19. À partir du chapitre 5 et jusqu'au chapitre 19, it doesn't concern the church. Ça n'a rien à voir avec l'église. Yes, sir. It doesn't concern the church. Ça ne concerne pas l'église. Where are you going to place that? Mais vous allez placer ça où? Bon débat. Et bien. Bon débat. Amen. Amen. Where are we going to place that? Mais nous allons placer ça où? So it's finished for the church. C'est fini. So we all know the church ages. Nous savons tous que les âges d'église ont pris fin. For the church ages to finish, pour que les âges d'église puissent finir, the bride has to go to the rapture. L'épouse doit partir. So that's me. Ça, ce qui signifie, the rapture is done. Et que l'enlèvement des églises finish. Amen. Yes, sir. So I'm finished. How can you have the book? Comment pouvez-vous avoir le livre? And still waiting for the rapture. Et vous attendez l'enlèvement. Because the rapture is in chapter 4 of Revelation. Parce que l'enlèvement c'est chapitre 4. And this book comes in chapter 10. Ce livre vient après chapitre 10. The book comes after the rapture. Le livre vient après l'enlèvement. Amen. Amen. Those people are so confused. Ah, ces gens sont vraiment dans la confusion. Sometimes I feel sorry for them. Parfois je me sens vraiment. And someone will say, oh, you need to go and see the elders. Et il y a des autres qui disent que tu dois aller voir les anciens. L'ancien va se là. Listen, Samuel. Samuel, when God was calling him, quand Dieu l'appelait, he was making a big mistake. Il commettait une grande erreur. He was going to the elders. Il allait chez les anciens. When God speaks, et quand Dieu vient, when God speaks, quand Dieu parle, for you, c'est pour toi. Amen. And the elders were so clear. That elder, thank God that Eli was so intelligent. Vraiment, je remercie Dieu que Eli le prophète était intelligent. He told him. Il lui a dit. If he calls you again, si il t'appelle encore, don't come to me. Non, ne viens pas. No. If you see an elder that wants you, when someone, you have to come to him. Si vous voyez un ancien dit que venez, come, come. Venez. Revelation, ils sont des babouins qui boivent là. Non, venez si ils sont tous perdus, ils sont perdus. God speaks to you and you alone. Dieu
vous parle à vous et vous seul. And Samuel was doing the mistake every time God was calling him. Samuel commettait des erreurs à chaque fois qu'on l'appelait. Lui, il allait vers l'ancien. When you read the book, you say, these books of sin cannot only be revealed after the church age. Quand il va lire le livre, il dit que ces livres ne sont pas que être ouverts après les âges de l'église. Elders. Il dit, ah, ancien. Ah, you see here, there's this and that. Tu me dis, tu vois ici. And the elders were blind. Et cet ancien là était un aveugle. And the blind me yourself. Amen. I don't follow those elders. Moi, je ne suis pas cet ancien. Anyway, we've got no time to follow them because everything is finished. Nous n'avons plus le temps de les suivre parce que tout est déjà fini. Why are we going to follow them when everything is finished? Pourquoi nous allons les suivre pendant que tout est déjà fini? Where are we going to follow? Where are you going to take us? Tu vas nous amener où? You follow someone when you don't know where to go. Tu vas suivre quelqu'un si vous savez là où il vous amène. Now. Maintenant. I'm already there. Well, je suis déjà là. I was supposed to come to Milton Keynes. I'm in Milton Keynes. C'était prévu que je vienne à Milton Keynes. Je suis déjà à Milton Keynes. So why will I ask? But then, pourquoi est-ce que je vais dire au frère? Show me Milton Keynes. Le frère, je suis mort à Milton Keynes. But you are in Milton Keynes. Mais tu es à Milton Keynes. Amnésie spirituelle. Amen. See, it's very difficult for people to change. C'est vraiment difficile aux gens de changer. I work with people that got autism. J'ai travaillé avec les gens qui avaient de l'autisme. And those are the hardest people to change. Ce sont des gens très difficiles à changer. Because those people, they have a certain way of routine. Et parce que ces gens-là ont quelque chose comme une tradition. 7 o'clock, you have to wake them up. À 7 heures du matin, vous devez les réveiller. When he wakes up, watch up. For him to bathe, he has to be ready. Et quand tu les réveilles, c'est l'eau pour s'habiller, pour qu'il s'habille doit être prête. And the other person has gone straight to the kitchen to make bread. Et l'autre personne doit aller vite pour préparer la nourriture. So he will come out, he goes straight. Et he won't go straight to the bathroom. Dès qu'il se réveille, il va tout droit à la salle de bain. And he finishes, he go back to his room. Dès qu'il finit, il revient dans sa chambre. His clothes have to be placed. Ses habits doivent être placés en ordre. And he will come and dress his clothes. Et il va prendre pour se vêtir. And when he comes out, the food must be ready. Quand il sort de là, la nourriture est prête. When he sits there, he doesn't want to wait for long. Et quand il s'assoit là, il n'attend pas pour longtemps. Food straight there and start eating. La nourriture est là pour qu'il puisse commencer à manger. That's how these churches are. C'est comme ça que ces églises sont. They have those tapes, those things. They used to eat. Ils sont ces choses là, ils sont now habitués à ça. That's when they bring those people to the hospital. Et quand ils amènent ces gens-là à l'hôpital. We try our best to help them get adapted to other things. Nous ne faisons notre mieux pour les faire adapter à autre chose. Try to change them a little bit. Nous cherchons, nous essayons de les changer un peu. But that's how they are used to. Ça c'est comme ça qu'ils sont habitués à faire les choses. Amen. When Elijah comes to show the end of the lamb things, et quand Élie vient pour montrer la fin des choses de l'ancien agneau, when they were killing animals, quand ils étaient en train de tuer l'agneau, those people are still doing it because they still got autism. Parce que les gens continuent à le faire parce qu'ils sont dans l'autisme. Because it's a routine for them. Parce que c'est une routine pour they eux. They are used to it. Ils sont des habitués. And it's very difficult to change. Et c'est difficile pour changer. And the same thing when you tell them the mediator work is finished, the lamb has left the throne. Et quand vous leur dites que la médiation a déjà pris fin, l'agneau a déjà quitté le trône. They love praying. Et ils aiment tellement. They love singing. Ils aiment chanter. And they will be there, yeah, screaming. Et ils vont crier. I see. One day my wife was watching something, we saw a pastor screaming at the pulpit. Un jour, nous étions en train de suivre un pasteur qui était en train de crier. And I looked at the pastor and I said, take it off. Et quand je regardais, je dis, enlève ça. And outside of the you're screaming, you don't know what are you screaming for. Ils étaient en dehors de la contenue, ils criaient, ils ne savaient même pas pourquoi est-ce qu'ils crient. Il bon mal, il y a bon. C'est ça la folie. If I want something for Brother Eric, si je veux quelque chose pour Frère Eric, I need to know where he lives. Je dois d'abord connaître là où il habite. Amen. So the God that you pray to, you're asking those things. Where is he? Le Dieu que tu attends de demander des choses, il est où?
The same thing when Elohim came in the time of Abraham to meet Abraham. C'est comme ça au temps d'Abraham quand Elohim est venu pour les rencontrer. Abraham was there eating with Elohim. Abraham était là assis en train de manger avec Elohim. Sodom. Et à Sodom, people were praying in churches. À Sodom, les gens étaient en train de prier dans l'église. People were praying. Les gens priaient. Why the same God is there with Abraham eating? Pendant que le même Dieu est en train de manger avec Adam, avec Abraham. In the time of Jesus. Au temps de Jésus. The God they were waiting for. Le Dieu qu'ils attendaient. Came. Il est venu. They were praying in the temple while they keep the same God they were praying to outside. Ils étaient en train de prier pendant qu'ils avaient foulé au pied le Dieu qu'ils cherchaient. People were going to their temple. Oh, we're going to church. Et les gens allaient dans les églises. Oh, nous allons à l'église. We're going to pray God. Nous allons prier Dieu. The God that you are praying to. Le Dieu que vous avez Dieu dans votre prière. Is there with those fishermen? Peter. Il est là avec les pêcheurs, les pierres et les consorts. They were going to the boat, killing. Ils sont en train de. He's there. Pendant que vous priez, il est là. That's you need to know where he is the God. Tu dois savoir d'abord il est où. Yes, sir. And today. Et aujourd'hui. The same thing again is happening. Yeah, la même chose est en train d'avoir lieu. Our shows. They're praying. God doesn't even listen to them. Ils sont en train de prier, mais Dieu ne les écoute même pas. Ne les écoute même pas. Yes. So we are trying to get every soul saved. Dans les messages, Christ est identifié dans tous les âges, dans toutes les générations. Paragraphe 12. In 64, paragraphe 12, Abraham said, we are trying to get every soul saved. Nous sommes en train d'essayer de donner le salut à tous les âmes. This is the part of what those people like. Et ça, c'est la partie que les gens aiment. They will tell you, see, you see. Ah, tu as vu. We are saving. Yes. Nous sommes en train de sauver les âmes. So that Jesus can come. Pour que Jésus puisse venir. Okay? We are saving souls. Nous sommes en train de sauver les âmes. For Jesus to come. Pour que Jésus puisse venir. Okay, for those who are saying that Jesus has already come. Et ceux-là qui disent que Jésus est déjà venu. Why are you trying to save the souls? Pourquoi est-ce que vous cherchez à sauver les âmes? We don't need to save souls. Et nous on n'a pas à sauver les âmes. Sometimes people are wasting their money when they're putting the money for them to go and do evangelizing, to go and evangelize. Et il y a des fois les gens perdent leur argent pour quand ils mettent l'argent pour que les gens puissent aller évangéliser. What are you going to evangelize? Mais vous allez évangéliser quoi? If Jesus is already come. Si Jésus est déjà venu. You want to go and save souls? You don't help God. Tu viens aller pour sauver les âmes? Non, tu ne peux pas aider Dieu. Brabana says. Les frères Brabana dit. We are saving souls. Nous sommes en train de sauver les âmes. So that Jesus can come. Pour que Jésus puisse venir. And he cannot come until the last one that has the name of the book of life that was put there before the foundation of the world. When that name is called, that's the last one then. Wow. In a paper. And he cannot come until the last one that has name. Il ne peut pas venir jusqu'à ce que le dernier, celui qui avait son nom dans les livres, puisse venir. Okay. Puisse être acheté. Okay, Jesus has already come. Jésus est déjà venu. Is the last name redeemed? Est-ce que le dernier est déjà appelé, racheté? Yes. Oui. Because he cannot come without the last one being redeemed. Parce qu'il ne peut pas venir sans que le dernier soit racheté. Why? Because those people got autism. They still want parce to remain. Parce que les gens ont de l'autisme. Ils veulent que les gens les choses poussent. They cannot separate themselves from those used to cast. Ils sont incapables de se séparer eux-mêmes de ces traditions. And he can redeem to bring back. Redeem is to bring back. Racheter c'est ramener. And when he brings the last one in, et quand il ramène le dernier, he is sitting the right hand of God. Et il est assis à la droite du Père de Dieu. Tonight. Ce soir, doing his mediator work, faisant son travail de médiateur. And when that last soul is saved, quand cette dernière âme est sauvée, that was redeemed, ce qui était racheté, and seen and for unknown by God before the foundation of the world. Et ce péché qui a été connu de quoi? Qui a été connu et qui a été vu et connu par Dieu avant la fondation du monde. When the last soul is saved, quand cette dernière âme est sauvée,
That closed the Cela ferme les livres. Amen. Now listen. Then the lamb comes. Et après l'agneau vient. Takes the book out of the right hand of him that sat. Et prend les livres d'entre les mains de celui qui était assis sur le trône. Then it's he's coming then. Il est en train de venir alors. He's coming to the earth. Il revient sur la terre. When that last name is concealed, quand le dernier nom sera sauvé, this book is closed. Ce livre est fermé. Then, et après, he leave his throne. Il quitte son trône. Go and take this book. Pour prendre le livre. Closed one. The closed. Le livre qui était fermé. After the last one is called in. Après que le dernier soit appelé. So. This book cannot come in the church ages. Ce livre ne vient pas durant les âges de l'église. This book cannot come before the last one is sent. Ce livre ne peut pas venir sans que le dernier élu puisse être acheté. Someone called me and said, oh, you have to come so we can go evangelize and look for the last one to come in. Quelqu'un m'a appelé, oh frère, il vient, nous allons évangéliser pour appeler le dernier élu de venir. I'm not wasting my time. Je ne suis pas en train de perdre mon temps. I will go to work. Je vais aller and make some money. Et pour I'll stay with my family. I'm not going to save when people are already saved. Je ne peux pas aller sauver les gens qui sont déjà sauvés. I cannot. Je ne peux pas. Your family are hungry. Go to work and feed them. Vos familles ont faim. Allez-y, travaillez, donnez-leur à manger. Then wasting your time. Going to do things which you are not supposed to do. Au lieu de perdre votre temps d'aller faire ces choses. You see, since I know these things. Depuis que j'ai connu ces choses. I feel like I'm free. Je me sens vraiment libre. Donc, you know, before knowing that people had some responsibilities. Vous savez, avant ces choses, les gens avaient de grandes responsabilités. And you look at them, they become too old. Mais quand tu les regardes, ils vieillissent. Because too much problem, too much responsibility. Parce qu'ils ont beaucoup de problèmes. When the peace, the millennium, the peace, the Sabbath has come. Quand le millennium, le Sabbath est venu. But you still want to go to work. Mais ils veulent toujours aller au travail. The seventh day, the rest day of God. Le septième jour, le jour du repos de Dieu. It was the day it represented the millennium. Cela représentait le millennium. C'est Brabham. Ce que le frère Brabham avait dit. And Brabham said, that's a time of rest. Rest from what? Rest from the things of God. Rest from these things of God. Frère Brabham dit, c'était quoi? C'était le repos. Se reposer de toutes ces choses. But you still have to go to work. People think, man, tu dois aller travailler. Millennium, but vous êtes quelqu'un comme ça. Les gens disent que dans le millénium, vous continuez à aller travailler. What kind of millennium were you expecting? Mais tu attendais quel genre de millennium, toi? Jésus. When they said that Jesus will come in the first coming of Jesus. À la première venue de Jésus, quand on avait dit que Jésus viendrait. But the Rick spoke about it last time here. Et le frère Rick a parlé ça ici dernièrement. They told them he will free them from the Romans. Et on les avait dit qu'ils seront libérés des Romains. It was written. C'était écrit. Black and white. Noir et blanc. The mountain will come to look. Les montagnes seront aplanies. Black and white. Noir et blanc. Now tell me, does anyone see a mountain there going down? Dites-moi, quelqu'un a déjà vu la montagne là s'aplanir? Because that's the mountain. C'est ça la montagne qu'on parle. And it was still under Romans. Et ils étaient toujours sous les Romains. The man who came to save them. La personne qui est venue pour les. The Romans caught him. Et les Romains l'ont attrapé. The victim. Ils l'ont tapé. Put him at the cross. On l'a mis sur la croix. The person who came to save you from the Romans. La personne qui était venue les sauver des Romains. And he leaves you there again to the Romans. Et il vous a laissé là entre les mains des Romains. So that's the problem. We try to think in the place of God. C'est ça le problème, nous essayons de réfléchir à la place de Dieu. Which we shouldn't do. C'est la chose que nous ne devons même pas faire.
brother, you ever seen someone come back from life? Hey, frère, est-ce que tu as déjà vu? Est-ce que tu as déjà vu les gens ressusciter? Oh, it says the dead will rise first. Frère, il a été dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. And I asked the brother. J'ai demandé au frère. So you didn't see them? Toi, tu les as pas vus? And he looked at me and said, brother, c'est quoi la poste? Il m'a regardé, non, arrête de blaguer. That's it. You didn't see them? Non, tu ne les as pas vus. Est-ce que tu les as pas vus? That's your problem. C'est ton problème. That's why this Bible is not given to everyone. C'est pourquoi cette Bible n'est pas donnée à tout le monde. He said, notice this now. Remarquez. In the first seal, in the message, the first seal. Dans le message, le cinquième seau. Also, fifth seal, sorry. Le cinquième seau. Paragraph 440. Paragraph 440. Notice this now. Remarquez ceci. Now, if there is no altar of sacrifice in heaven, si il n'y a pas un autel de sacrifice au ciel, where is the sacrifice for sin laying there? Où est-ce que le sacrifice de péché est? Se trouve maintenant. C'est l'agneau. There has to be a place where the slain lamb, bloody, is laid there where the blood. Il doit y avoir un endroit là où on a tué l'agneau. 441. Now the incense was the odor. Maintenant, l'encens était les odeurs. The odor stuff that the birds. C'est le genre de choses qui brûlent. Which the Bible said was. Ce que la Bible dit que c'était. The prayer of the saints. La prière des saints. If there is no sacrifice on the altar. Si il n'y a pas sacrifice à l'autel. Then the prayers cannot be received. Et la prière ne peut pas être reçue. If there is no sacrifice of the lamb at the altar, si il n'y a pas sacrifice de l'agneau sur l'autel, this is not me. Ça c'est pas moi. Brabant. C'est le vrai Brabant. And the prayer cannot be received. Et la prière ne peut pas être reçue. And those people are praying with the hand raising, thinking with their mind. Ces gens-là sont en train de prier, ils sont en train de s'imaginer un agneau quelque part qui reçoit la prière. That's why I said the prayer cannot be received. C'est pourquoi je dis que la prière ne peut pas être reçue. It's only by the blood on the sacrifice altar. C'est simplement par le sang, au travers du sang, par le sacrifice à l'autel de l'autel. That lets the prayer go through to God. C'est qui amène la prière vers Dieu. The blood at the altar. Le sang sur l'autel. That's the one that takes the prayer to God. C'est la chose qui amène la prière à Dieu. Non. Maintenant. There is no blood at the altar. Il n'y a pas de sang à l'autel. People are going 40 days of prayer and fasting. Les gens sont en train de partir 40 jours de prière et de jeûne. They're doing 21 days of prayers. 21 jours de prière. Mon peuple périt par manque de connaissance. Amen. People are perishing. By lack of knowledge. Les gens sont perdus par manque de connaissances. See, that's why it was told to Daniel this thing when you know people will be wiser. People c'est pourquoi il a été dit que quand ces choses se révèlent, les gens seront plus intelligents. Now I cannot waste my time going to 21 days of prayer. Je ne peux pas perdre mon temps pour aller dans une prière de 21 jours. There's a brother who asked me, you are a preacher. Il y a un frère qui m'a demandé, tu es un prédicateur? When is the last time? What is the last day you fasted? C'est quoi le dernier jour de ton jeûne? When did you last fast? Quand est-ce que tu avais jeûné la dernière fois? J'ai dit, I started once when I fasted. J'ai demandé, mais pourquoi si je vais jeûner? Say, look at you. You see how you're big. That's why you don't fast. Regarde par comment est-ce que tu es big? Parce que tu ne fais pas de jeûne. I said, no. I'll be dying. I won't do fasting for me to lose. Il dit, je ne vais pas jeûner, mais je vais faire le régime. I'm not wasting my time. Non, je ne peux pas mon temps. So that's me, those pastors who are skinny. Donc, c'est là que les pasteurs maigres, fasting a lot. Ils jeûnent beaucoup.
is killing his own body, flesh, his ils own cells, he's killing it. Il est, ils sont en train de tuer leur propre corps. So, leur propre you need food for your body to survive, to work. Tu as besoin de la nourriture. And you think the way he's killing, you think maybe he's healthy. He's not healthy. No. He's not healthy. Just because he's skinny. C'est pas qu'il n'est pas en bonne santé parce qu'il est maigre. Qu'il est en bonne santé. Qu'il est en bonne santé. Non. Non. Ça c'est. Maybe I can run faster than him. Well, that's his My. I love this message. It's very nice. It makes me feel free. Ah, ce message me rend vraiment libre. Free. I don't care what people say. Je m'en fous de ce que les gens disent. Let alone in a message without money or without prayer. Dans le message sans argent, sans prix. He says, let alone his absence. I don't want to be here when he's not there. Je ne vais pas être ici quand il n'est pas là-bas. I want to be gone then. Yes, sir. Je vais aller, oui, monsieur. For there will be no blood on the mercy seat. Parce qu'il n'y aura pas de sang dans le trône de miséricorde. It will be dark and smoky and black. Ça sera noir, plein de fumée et noir. And the central will have no lawyer there. Et sur le sanctuaire, il n'y aura plus d'avocat. To plead our case at that time. Afin de plaider à notre cause dans ce temps-là. You know the scripture says that. Vous savez que les écritures le disent. The sanctuary will be smoking. Le sanctuaire était plein de fumée. And there was no blood on the mercy seat. Il n'y avait pas de sang sur le trône de miséricorde. Then it's judgment. C'est le jugement. When there is no mercy. Quand il n'y a plus de miséricorde. Or when there is no blood at the altar. Quand il n'y a pas de sang sur l'autel. It's dark. C'est noir. What it is, Brother Branham say, is the judgment. Qu'est-ce qu'il y a, Frère Branham dit que c'est le jugement. Those people are coming without. When they go in, they pray. They think they're praying God for them. God is judging them. Et les gens quand ils vont là-bas pour prier, ils pensent qu'ils prient Dieu, mais Dieu est en train de les juger. It's judgment. There's nothing there. Il y a quel jugement? Il y a plus rien d'autre. I will put it down to 91. Je vais descendre en bas au paragraphe 91. Message Revelation chapter 4, third part. Dans le message Apocalypse chapitre 4, troisième partie. Babanam says. Le frère Babanam dit. Out of the throne. En dehors du trône. Let's speak of the throne now for a few minutes. Parlons un peu du trône pour quelques minutes. This was not a throne of mercy. Ceci n'était pas le trône de miséricorde. Mercy throne is finished. Le trône de miséricorde est fini. No more mercy. Il n'y a plus de miséricorde. It's without mercy. C'est sans miséricorde. How are we going? Point. How the judgment seat going to be? The judgment seat of Christ. Comment est-ce que le trône de jugement sera le trône de Christ? The judgment seat. The white throne judgment. Le trône de jugement, le trône blanc du jugement. Is there going to be mercy then? Comment est-ce qu'il y aura la miséricorde là? Barbara is asking a question. Is there going to be a mercy then? Est-ce qu'il y aura la miséricorde là-bas? There is not one stretch. Of mercy, il y a même pas un seul iota de miséricorde donné. When the lamb leaves his throne, quand l'agneau quitte son trône, of mediator, son trône de médiation, there is no even stretch. Il y a même pas un iota de miséricorde qui reste. No more mercy. La miséricorde n'y en a plus. We've already got the book. Tell me, there's nothing there. Nous avons déjà le livre. Il n'y a plus rien là. At the judgment throne, you could scream mercy. Au trône du jugement, tu peux crier miséricorde. Listen, till you couldn't scream no more. Jusqu'à ce que vous n'arriverez plus à crier. Le mot est guéri. La voix est partie. It's the way I saw a pastor. The pastor was screaming. C'est comme j'ai vu un pasteur qui criait. The way it was and sweet is. Il était en train de transpirer. And I just took this probe and I was this just j'ai seulement pris
And I was reading it. J'étais en train de lire. And I was just laughing. J'étais en train de rire. He said, the judgment throne. You could scream mercy till you could scream no more. Il dit dans ce trône de jugement, tu peux crier miséricorde jusqu'à ce que tu n'arriverais plus à crier. You just might as well scream out in the air somewhere. Et tu peux crier quelque part sur la terre. Because there's no more mercy. Parce qu'il n'y a plus de miséricorde. You can scream. Tu peux crier. Shout. Crier. God's mercy, they forgive. Oh Seigneur, miséricorde, pardonne-moi. Pray and shake. Prier, trembler comme tu veux. Now is the day of mercy. Maintenant, c'est le jour de miséricorde. People say, Amen, see. Ah, les gens disent Amen. Tu as vu, tu as vu. Et Baba Nora le bien mot. Le frère Bram l'a dit là. It's the day of mercy. C'est le jour de miséricorde. Bless you. Mm, lisons. Now let's go back in the Old Testament. Retournons un peu dans l'Ancien Testament. Here, just a little bit. Ici un peu. I'm going to finish and find out what mercy is. Essayez de voir c'est quoi la miséricorde. Go on back and see what happened to this throne. Et allons-y pour voir un peu ce qui a eu lieu sur ce trône. This throne of course is the judgment seat. C'est le trône, bien sûr, c'est le trône du jugement. The reason today there is mercy. La raison pour laquelle il y a encore la miséricorde. Is because the mercy seat is sprinkled with an atonement. Parce que le trône de miséricorde est aspergé de l'expiation. Blood. Le sang. And as long as blood is on the judgment seat. Pendant que le sang est sur le trône de jugement. There is not judgment. Et il n'y a pas de jugement. Il n'y a plus de jugement. It's mercy. C'est la miséricorde. Because something died to stay judgment. Parce qu'il y a quelque chose qui est mort pour empêcher le jugement. If you see it, say amen. Si vous l'avez vu, dites amen. As long as the blood is on the mercy seat. Tant que le sang est sur le trône de miséricorde. So that something died to hold the judgment. Montrant qu'il y a quelque chose qui est mort pour le jugement, pour empêcher le jugement. But when the church is raptured, mais quand l'église est enlevée, the mercy seat becomes the judgment seat. Le trône de miséricorde devient le trône du jugement. Amen. You've already preached about the rapture. Okay. You said the translation. So I think the brother spoke about the rapture. Je pense que le frère parlait de l'enlèvement. The rapture is already done and gone. L'enlèvement a déjà eu lieu. And that throne, which was the throne of mercy, ce trône là qui était le trône de miséricorde, has turned to the throne of judgment. Il devient maintenant le trône du jugement. Amen. And I said, the only thing that God recognized is the blood. Le frère nous dit que la seule chose que Dieu reconnaît, c'est le sang. And now God is more angry. Maintenant Dieu est en colère. Because the only thing that was stopping God from anger. Parce que la chose qui empêchait sa colère, it was the blood. C'était le sang. And now God, there's no more blood. Et maintenant, il n'y a plus de sang. Oh, papa, nous avons. Oh, papa, nous avons. There's no more mercy. Il n'y a plus de miséricorde. People are wasting the time they're going to pray to God when he's no more there. Les gens sont en train de perdre le temps lorsqu'ils vont aller prier Dieu parce qu'il. Et pourtant, il n'y a plus de miséricorde. I'm finished. Je suis en train de terminer. There is no more blood at the seat. Il n'y a plus de sang sur le trône. In the sanctuary, at all. Dans le sanctuaire. Il n'y a plus de sang sur le sanctuaire. There is no more blood on the altar. Il n'y a plus de sang sur l'autel. The sacrifice has been removed. Le sacrifice a été ôté. And there's nothing but smoke and lightning and judgment in there. Il n'y a plus rien que la fumée et le jugement. And that's et les éclairs.
And that's just exactly what's poured out here tonight. C'est ce qui est renversé ce soir. When there's no more mercy. Quand il n'y a plus de miséricorde. There's thunders, there's smoke. Il y a le tonnerre, il y a la fumée. And Bible says that's what is pouring tonight. Et le frère Branham dit c'est ce qu'il y a aujourd'hui, cette nuit, ce soir. Those thunders, those judgment thunders. C'est le tonnerre de jugement. But you're coming to tell me there's still mercy. Mais tu veux me dire qu'il y a encore la miséricorde. See, vous voyez, the lamb has done left. Et l'agneau a déjà quitté his mediator work. Il a quitté son travail de médiation. The mediator work has been finished. Le travail de la médiation a pris fin. From over on the throne. Là sur le trône. It's finished. C'est déjà fini. Says down there, says now he's coming to claim what he has redeemed. Et maintenant, là, il dit, maintenant, il vient pour réclamer cela qu'il a racheté. Amen. The Bible. La Bible. Is finished. C'est fini. Now it's become as a book, just a story book. Amen. C'est devenu maintenant comme un livre d'histoire. There's nothing that we're waiting for in the Bible. Il n'y a plus rien que nous attendons dans la Bible. Everything is finished. Tout est déjà fini. After receiving this book, après avoir reçu ce livre, the Bible is finished. La Bible est finie. Oui. It's finished. There's nothing in the Bible that you're waiting to be fulfilled. Il n'y a plus rien dans la Bible qui vous attendait l'accomplissement. Il y en a pas. You can take the Bible and put it in the library book where the step library is. Vous pouvez prendre la Bible et mettre ça dans. It becomes a story book. Ça devient un livre d'histoire. The reason why we're reading it. La raison pour laquelle nous sommes en train de l'étudier. Not that we have faith that something will happen in the Bible. It's not that there's something that will happen. Bon, ce n'est pas qu'il y aura quelque chose qui aura encore lieu. We are reading it just to remind us of what happened. Nous sommes en train de simplement le lire pour nous rappeler de ce qui a eu lieu. La rédemption. You know, this king, I forgot his name. Vous savez, c'est roi là, j'ai oublié son nom. Tell about Mordecai and everyone, and Esther. Assurus. Yes, Assurus. The king. Le roi Assurus. The king one day, and in those days, every time they used to do something, they used to write it down. À ce temps-là, le roi, à chaque fois qu'on faisait quelque chose, lui, il écrivait. There was somebody was writing it down. Il y avait quelqu'un qui écrivait. And there was one day, the king was just tired, he was just sitting, he brought one of the scribes, he said, read. Et quand le roi était fatigué, il appelait un des scribes. And the scribe was reading. Le script in the year 2000 or something. Telle année. And this happened. Ça a eu lieu. And this happened. Telle chose a eu lieu. That's when the king. Ça, voilà pourquoi le roi. That's when the king remembered Mordecai. Voilà pourquoi le roi s'est souvenu de Mordecai. Because of what was written, there was reading something that was past. C'était par rapport à ce qu'il lisait, quelque chose qui était déjà passé. And today the book that we have, the Bible. Et aujourd'hui le livre que nous avons là. We are reading it. It just the time is coming. Nous sommes en train de lire. Bon, le temps est déjà parti. We are reading it. Nous sommes en train de lire. As a past story. Comme une histoire déjà passée. I'm gonna read this one just to finish. Je vais lire ça et puis je vais clôturer. 24. In the message, he that is in you. Dans le message, c'est lui qui est en vous. Amen. Say, now there it is scientifically. Et là, c'est scientifiquement prouvé. That is the truth. Que c'est la vérité. So then, we don't worry about whether it's truth, both scientifically and spiritually. On n'a pas d'inquiétude sur ce que ça soit prouvé scientifiquement ou spirituellement. Speaking of, il parle de la nuée. So what was about to come pass? What was said came. Come to pass. C'est qu'il a dit qu'il devait avoir lieu. So the message of the seven seals. Le message de sept sceaux. Is their closing. In their closing. Et pendant qu'ils sont en train d'être fermés. That's the message of the entire Bible. C'est le message de toute la Bible. The seven seal closes the New Testament. Les sept sceaux ferment le Nouveau Testament. The New Testament was opened. Mm-hmm.
The seven seals. Les sept sceaux, le Nouveau Testament était ouvert. The seven seals. Et les sept sceaux. Close. Ferme. The New Testament. Le Nouveau Testament. And seal it up. Et les scelle. That is truth. Ça, c'est la vérité. Amen. Amen. So the redemption is finished. La rédemption a déjà pris fin. The lamb has left his throne. L'agneau a déjà quitté son trône. That's the reason why we have this. Voilà la raison pour laquelle nous avons ce livre. And he even said he cannot come. He cannot take this book unless the first one, the last one, has been redeemed. Et il a aussi dit qu'il ne peut jamais prendre ce livre si le dernier élu n'est pas encore entré. Then, if we have. Et maintenant, si nous avons ce livre now. If anyone got a scripture that says si, that this will be revealed before the last one entered, si quelqu'un a une écriture qui dit que ceci sera révélé avant que le dernier élu puisse entrer, you should bring it to me. Qui me l'amène. But I have the scripture. Mais moi j'ai une écriture. The Bible says it cannot be revealed. Le frère Branham dit que ça ne peut pas être révélé until the last one is said. Jusqu'à ce que le dernier est racheté. Amen. And this Amen. Closes the book. Et ceci ferme le livre. God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous avez aimé?